Bien bonjour dames et messieurs, bienvenue dans l'émission la plus torride et la plus nutriente de la place, le Fafa. Bien sûr, présenté par votre humble serviteur que je suis, Serge De Fallé. Sans oublier mon binôme, l'homme aux questions percutantes, Anaconda. Yes. Alors, aujourd'hui, pour ce numéro, c'est un numéro très spécial. Parce que la parole dit tout d'abord, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lui, il dit allumer la lumière. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un. Quelqu'un pétri de talents. Très jeune, mais pétri de talents. Et qui a fait des choix difficiles à faire à son âge, parce que les jeunes de son âge sont dans autre chose. Mais lui, il a décidé de consacrer sa jeunesse à servir l'Éternel, mais en chantant pour la gloire de Dieu. Il a commencé d'abord sur les réseaux sociaux. On l'a vu dans 2-3 petites vidéos, dans des pages et tout. Et il a un style à la base à l'américaine, en rap, mais dans le gospel. Talentueux, il a fait 8000 places récemment au Palais de la Culture. Dames et messieurs, recevez ici le fils du Très-Haut, K.S. Bloom. Yeah. K.S. Bloom. Non, tu mérites amplement ce tatalapou. De ma part, bien sûr, tu mérites ce tatalapou. Alors, Anaconda. Merci. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous recevons quelqu'un qui a consacré sa vie et sa jeunesse à l'Éternel. Et c'est une bénédiction sur le plateau de Fafa. Très, soyons bénis. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu connais Kenzo, c'est notre frère. Il est un peu souffrant. Il a pris un coup de fatigue. Kenzo, tu peux lui faire une bénédiction? Dieu te bénisse et Dieu renouvelle tes forces. Amen. 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 Là, on peut bien commencer. Oui, ok. Alors, Kaes, comment tu vas? Ouais, ça va. Super content de te recevoir dans le Fafa. Tu connais le contexte de l'émission, hein? Ouais. Ça sort comme ça sort, ça vient comme ça vient, tu réponds comme tu veux. C'est ça le concept. Et au jour d'aujourd'hui, on entend ton nom K.S. Bloom. Est-ce que tu vois? Bon, quand on entend K.S. Bloom, on s'attend forcément à voir un artiste, peut-être c'est un rappeur, bien, pour un décalé, bon, un truc quoi. Mais on entend K.S. Bloom, on voit des locks. Et puis on dit, il fait musique chrétienne, qui chante gospel à la gloire de Dieu. Vraiment, le schéma est un peu décalé. Bon, c'est que on était les décalés avant. Donc, on voit que tu es un peu décalé aussi. On ne comprend pas trop. Le public ne comprend pas. Par moments, je vois beaucoup de choses sur la toile te concernant. Beaucoup de tiraillements. Alors, KS. Bon, déjà, je réponds à quelle question. Jean KS Bloom, là. Oui, KS Bloom, le nom. Le nom KS Bloom, bon, KS Bloom, c'est mes initiales. Bon, KS, c'est mes initiales. Kone Suleiman. Kone Suleiman. Ah, sinon, tout le nom, même à l'état civil, c'est Kone Suleiman Kevin Kader Jr. Donc, à la base, musulman. Non. Sorti d'une famille musulmane. Oui, mon papa est musulman. D'accord. Voilà, mon papa est musulman. Okay. Voilà, donc, c'est ça, le KS. Le KS. Non, le Bloom, là, c'est en hommage au département de jeunes de mon église, parce que c'est là où j'ai commencé le gospel. C'est la première famille qui m'a vraiment accueilli dans le gospel, en fait. D'accord. Donc, j'ai porté le nom en signe de reconnaissance aussi. Ah, je comprends. Genre, comme nous on disait, c'est pas la guette, c'est... Ah, ouais, un truc comme ça, tu vois, c'est un peu ça. Donc, le Bloom, en fait, c'est comme c'est le possi. Ouais, c'est là que tu sors, en fait. Donc, voilà, mais le Bloom aussi, ça a une signification, c'est en anglais, en vrai. Oui, oui. Voilà, ça veut dire floraison. Floraison, quelque chose qui est sur le point de fleurir. De fleurir et d'exploser, en fait. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça m'a interpellé. Donc, à la base, non, en fait... Tu t'appelles Kone Suleiman. Ouais. Waouh, ok, d'accord. Ouais. Mais c'est pas un peu en déphasage avec le père? Comment ça s'est passé dans ta jeunesse? C'était pas un peu difficile? Est-ce que le père acceptait directement le fait que tu sois chrétien automatiquement? Bon, déjà, j'ai pas grandi avec lui. Moi, j'ai grandi du côté de ma mère. D'accord. Voilà, qui est chrétienne. Ok. Voilà, donc j'ai une famille chrétienne, donc il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Après, je dis juste que c'est un nom, hein. Kone, bon, c'est un nom. Mm-hmm. C'est un nom. Suleiman, c'est un prénom. Donc. C'est juste un nom. Voilà, pour être chrétien, on n'a pas besoin d'un nom forcément, genre Eric, un truc comme ça, non. Tous les noms peuvent... Mais moi, j'ai été j'ai été surpris quand j'ai découvert qui était ton père à ton concert. Parce que nous, on le connaît. Ah ouais, tu vois, ouais. Tu
Nous, quand t'as vu, on a pensé à tout le monde, mais on n'a pas pensé à lui. Oui. Non, sérieux, hein, parce qu'on le connaît dans le showbiz, tu vois. Ouais. Donc, on l'a vu, on dit, ah, mais c'est le fils de Bonnet, mais ah. Donc, on était tous étonnés, en fait, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir, parce qu'on connaît ton père, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le milieu, tous les jeunes, il a aidé pas mal de jeunes, dans le, tu vois, on sait, ouais, tu vois, un peu. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. Alors, Anaconda, l'invité est à toi, qu'est-ce que tu penses de l'Ox? Ça comment son nom, hein? Anaconda. Mon vieux. On va m'avaler. Non. Ton nom, Anaconda. Tu sais que vers la fin, tu as fait des prières pour moi. Vers la fin, tu as fait des prières pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais tu peux te lâcher, hein, parce que là, quand il te voit assis, là, il sent même que tu es en paix avec toi. C'est rare de voir quelqu'un qui est en paix avec soi-même, puis qui est en paix avec Dieu. D'où tire l'inspiration pour avoir la paix intérieure et être en paix avec Dieu? Ça, là, c'est une question qui va demander une prédication. Hein. Ah, mais ça, c'est une prédication, ça, c'est fort. Mais je dis, quand il n'y a pas de problème avec quelqu'un, tu es en paix. D'accord. Tu vois, voilà, la paix vient du fait que tu n'as pas de problème avec ton Créateur. Ça, c'est la vraie paix. C'est la vraie paix. C'est que lui qui contrôle tout, là. Tu n'as pas parlé avec lui, donc tu es tranquille, quoi. Toi, c'est l'environnement qui te rend chrétien, ou bien il y a eu une influence sur toi, puisque le côté maternel était chrétien, n'est-ce pas? Oui, non, c'est même pas ça, hein. Ah, c'est... Bon, tu sais, chrétien, il y a son deux côtés. Hein. Je t'ai dit, hein. Voilà, il y a chrétien, pratiquant. Il y a chrétien, pour être à l'église. Toi, ton but, voilà, là, c'est quoi? Moi, mon mouvement, là, c'est chrétien né de nouveau. Genre, pratiquant, qui a rencontré Christ. Tu vois un peu. Ouais. Dans ton passé, tu étais dans le fait de drogue, alcool, tout ça, là. Oui. Mais est-ce que tu as un bout de temps aujourd'hui pour passer dans les fumoirs pour aller évangéliser ceux dont tu as laissé dans le fait de boire? C'est un projet, et puis il fait ça toujours sur mes réseaux. Hein. Il fait vidéo tout le temps. Mais est-ce que tu vas dans le fumoir? Il ne parle pas de vidéo. Aller là-bas maintenant. Ouais. Non, c'est un projet. Je n'ai pas encore eu la conviction. Parce que François, toi, tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec toi-même. Là. Si tu vas les enlever dans les fumoirs, ils seront en paix avec Dieu, puis ils seront en paix avec Dieu. Oui, c'est le but, oui, même. C'est le but, mais c'est le but. Non, toi, tu es un homme de Dieu, tu es un champion. Je sais que tu as des femmes, laisse ça attendre. Non, champion. Non, laisse, mon vieux. Non, parce que je me dis, aujourd'hui, François, tu es en paix avec toi, tu vois, tu es à l'aise. Maintenant, ceux avec qui tu étais dans les fumoirs, dans le fait de l'alcool, il faudrait que tu trouves du temps pour. Il ne faut pas mettre en projet. Quand tu trouves le temps, lis les évangéliser pour qu'ils puissent avoir cette paix-là. Oh, mais dans la religion chrétienne-là, quand quelqu'un l'appelle, on laisse les autres là-bas. Non. Mais justement, c'est pour ça qu'on parle de Jésus partout. C'est pour ça qu'on évangélise. Parce qu'on veut que tout le monde puisse se convertir et recevoir cette paix, justement. Mais tes enfants, fumoirs-là, est-ce que tu vas là-bas? Attends, mon Dieu. Yes, I. C'est pas au fumoir, c'est moi qui ai pécheur. Qui a pécheur. Non, comme toi, tu étais là-bas, on est venu ici. Attends, je vais t'expliquer. Tu m'as posé une question, non? Attends, je t'explique. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, là, tu vas sur Facebook, là, tout le monde là-bas. Il y a fumeur, il y a décaleur, il y a braqueur. Donc, une fois que tu es sur les réseaux, celui qui fume, celui qui est dans les petits mouvements, tout ça, ils ont accès à ta prédication. Ouais. Mais si tu t'en dans le fumoir, tous les autres, là, comment ils vont faire? Maintenant, le truc aussi, c'est que quoi? Comme tu as parlé, on doit descendre au fumoir. Mais on ne se lève pas comme ça pour aller dans un fumoir. Et quand tu es allé dans le fumoir, c'est vrai que tu es évangélisé. Mais si le gourmand tombe sur vous là, tu as dit quoi? Tu as dit que non, il était venu évangéliser. Non, puisque toi, tu as le secret. Parce que toi, non, tu ne dis pas que tu es un ancien gars du fumoir, mais quand tu te décalais, tu allais là-bas. Il est là-bas. Et puis, le gourmand. C'est Kaïs Blum. Non, si on ne peut plus, là, c'est mort. Tu es d'accord avec moi? Tu vois? Sinon, ce que tu dis, c'est bon. Attends, quand ils ont posé, on dit bon, voilà, lui qui disait que. Truc là, lui-même, on l'a trouvé dans le fumoir là-bas. Sinon, ton projet réseaux sociaux, c'est bon, c'est très bon. Non, c'est vrai. Mais sauf que tout le monde n'a pas accès à réseaux sociaux pour entendre le message. C'est vrai. Tu vois, non? Parce que d'où toi qui viens là, c'est un glo-glo qui est bizarre. C'est difficile de faire sortir les gens. Si toi, tu as pu t'en sortir par la grâce du Seigneur, c'est bien que tu les approches aussi. Tu vois, du corps à corps plus ou moins, pour s'élancer, quoi. C'est comme je t'ai dit là, c'est un projet. C'est un projet. C'est vrai qu'on a. On a prévu visiter les prisons. Les prisons. Aller faire des tours dans les prisons pour pouvoir partager la parole. Tu vois, donc tout ça, c'est un projet. Fumoir, prison, aller dans les coins reculés. Aller dans les maquis aussi, parce que tu buvais beaucoup. Truc. Dans quoi? Dans les maquis aussi, puisque tu buvais beaucoup dans ton passé. Moi, bien, Dieu me fait rire, d'accord. Moi, tu laisses ton frère chante, défaler. Bon, en fait, Kaïs, le truc aussi, il y a un constat que j'ai fait récemment sur la toile. Après ton concert géant à succès phénoménal, certains chants se sont plaints que tu as invité des artistes qui n'étaient pas de la corporation.
et que le métier des chants c'est un sacerdoce et que c'était pas normal que tu le fasses. Alors qu'est-ce que toi tu vas leur dire? Tu vois, non, mon vieux, les gens n'ont pas compris la mission véritable. Okay. Tu vois, la mission que le Christ nous a donnée, c'est de partir gagner des âmes. Bien sûr. Tu vois, et moi, comme je dis, le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit faut aimer ton frère chrétien comme toi-même. Quel que soit le bord religieux de l'autre, tu te dois de l'aimer. Même ton ennemi dit de l'aimer, tu vois. Et c'est des personnes qui sont venues m'apporter leur soutien à mon conseil. Bon. Bon. C'est aussi peut-être une manière de les gagner aussi à Christ aussi. Bon, ça va pas peut-être même une manière. Déjà, mais ils les aiment déjà. Eux-mêmes, ils font d'eux-mêmes déjà. Tu vois, non. Les gens vont toujours parler. Bien sûr. Parce que il y a ce qu'on appelle les pharisiens. Mm-hmm. Tu vois. Et c'est les mêmes propos que les pharisiens tenaient quand le Seigneur était avec des gens que la société rejetait. Bien sûr. Eux là, ils ne connaissent pas leur vie. Hein. C'est sûr, télé, on les voit, on voit clip. Mais est-ce que tu sais ce qu'il fait chez lui à la maison? Tu ne sais pas s'il est chrétien? Tu ne sais pas. Nous, tout ce qu'on nous a demandé, c'est d'aimer. Le reste là, c'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui a jugé. Si quelqu'un est dans le péché, il n'est pas dans le péché, c'est Dieu. D'ailleurs, même, qu'est-ce qui pouvait vraiment vivre une bonne vie? Ah, maman, je voulais te demander ça. Ici, on vient, on parle. Mais tu sais ce qu'il fait dans ma chambre? Tu ne sais pas. Tu vois? Donc, au lieu de soupçonner le mal ou bien de catégoriser des gens là, tu te contentes d'aimer celui qui juge là. Et voici le ciel là. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça. Ouais. Mais à ton jeune âge, consacrer ta vie, ta jeunesse à la musique du Seigneur. Franchement, je me pose des questions, tu vois, parce que je me prends aussi en exemple. Hein. Comment on était jeune comme toi là? Moi, je n'étais même pas dans cette gamme là. Et nous, on voulait gâter pour gâter pour avancer. Est-ce que tu vois un peu? Et je me dis que j'ai encore des jeunes comme ça, à cet âge là. Qui cherche pour gâter pour avancer. Mais toi, tu fais un revirement à 360 degrés. Par exemple, c'est 320 degrés, champion. Oui, c'est de quoi tu parles. Et comme ça, tu te consacres à la gloire de Dieu. On dit même que tu sommes pas les mots. Tu fais ce que tout ce que je t'aime faire, tu ne fais pas. Mais qu'est-ce, dis-moi, qu'est-ce qui t'a touché jusqu'à ce point? Tu vois, derrière mon vieux, cette mentalité de pouvoir gâter, en fait, c'est le système qui nous a habitués à ça. Et depuis petit, on regarde la télé, on voit que dans les clips, c'est les. Tu vois, non? C'est les goûts, c'est les. Donc, ça nous fait rêver, on se dit que c'est ça la vie en vrai. Mais pour quelqu'un qui a goûté à ça, il sait que ce n'est pas ça. Ok. Les vraies personnes qui ont goûté au mouvement, ils savent que c'est du bruit, parce que c'est tu vois, c'est monotone, c'est la même chose, c'est la routine. Tu as allé dans le show, tu as venu, il y a une nouvelle petite qui est venue. Tu as fini de dépenser ton jet, tu as parti sortir elle. Samedi prochain, même programme, nouvelle petite, tu as allé. Bon, et puis quand tu finis ça, il n'y a pas de paix intérieure parce que tu sais que ce n'est pas la vie que tu dois mener qui est là. Mais parlant tu des vois? Petites même, ça tombe bien. Aujourd'hui, la génération des petites filles, je lis de 16 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. Elle raffole sur toi. Mais c'est ta musique ou bien c'est ta personne? Tu ne t'es pas posé la question. Même tout à l'heure quand tu as garé, elles sont toutes sorties comme ça. Tu penses que c'est ta musique qui les attire ou bien c'est ta personne? Ça, elle doit demander. Non, pose-toi la question un peu. Si ta musique, elle est bonne pour pouvoir attirer toutes ces filles-là, ou même si c'est ta beauté, façon tes lèvres sont rouges-là. Bon, déjà, il a répondu à ça quelque part. Il a dit que, tu vois, chacun a son cerveau. Tu vois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. De toi. Tu vois, de moi. Parce que je ne peux pas t'imposer une manière de me voir. Si tu me vois d'une manière, ça, c'est ta vision à toi. Tu vois, pour ce qui est... Moi, j'ai un message, c'est de prêcher l'évangile. Bien sûr, oui. Ceux qui ont soif de l'évangile, ils viennent, ils écoutent l'évangile, ils s'en vont. Ceux qui sont autour, qui veulent planer, ils planent. Plane. C'est pas de ma faute. Pense-moi, tu es dans la réalité. Ou bien, on est d'accord avec ça? On est d'accord. Mais tu sais que dans cette histoire de l'église et Dieu, là, on dit la vérité, on ne ment pas. Hein. Oui. C'est que non, c'est pas ton comportement, que non, c'est pas là. Est-ce que ça va avec ta musique? Parce que la musique de Dieu, là, ça doit aller avec le comportement de tous les jours, plus ou moins. Quel comportement? Non, c'est pas un Satan de nous dire ton comportement quand on n'est pas là, t'es seul là. De toute façon, j'ai parlé là. C'est quand je suis? Oui. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas jouer le travail. Mes responsables sont là, ils peuvent témoigner. Et je joue pas avec le travail, tu vois. Donc, il peut être dur, il peut être avec mon staff. Tu as pensé que tu es passé, il crie souvent. Quand tu n'es pas à ton poste, il dit, mais tu n'es pas là-bas, qu'est-ce que tu fais ça? Non, quand je parle de ton comportement, je ne parle pas du plan professionnel, là tu es bien organisé. Mais quand je parle de comportement, je vais parler des vices. En dehors de tes gars, là, tu n'as pas les vices cachés que tu n'es. Par la grâce de Dieu, tu sais, c'est ça le travail du Christ. Tu vois. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, là,
Ce que les gens combattent, c'est plus ton combat. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus, hein, mais on sait dans quoi ils sont. Ils n'ont pas bien donné leur vie. Non, peut-être souvent aussi, ils ont donné, mais ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas... c'est ça. Ils n'ont pas... Non, mon vieux, ils t'expliquent. Ils t'expliquent. Ils n'ont pas bien donné leur vie. Tu vois, non. La Bible dit, vous êtes heureux si vous mettez mes commandements en pratique. Et la Bible dit que si je suis le Seigneur, mettez en pratique ma parole. Tu ne veux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus, et puis Jésus te dit de faire quelque chose, et puis toi, tu fais autre chose. Tu vois, non. Donc, on reconnaît celui qui a donné sa vie à Jésus par la pratique de ce que Jésus a dit. Donc, si Jésus te dit, il ne faut pas chercher go à gauche, à droite. Il ne faut pas chercher go à gauche, à droite. Là, on sait que tu as donné ta vie à Jésus. Donc, dans ton passé, tu étais un homme à femme. Oh, mon vieux. Femme, c'est petit. Hein. Faut augmenter le volume même. Faut mettre dame, faut mettre fille, faut mettre demoiselle. Ah, dans ton passé, hein? Oui. T'as eu un songe pour quitter dans tout ça ou mais... Non, il n'y a pas eu un songe, il y a eu plutôt une prise de conscience. Tu vois, non? Il y a eu une prise de conscience qui venait de l'esprit. Tu sais, à un moment donné, Dieu parle à tout le monde. Hein? Dieu parle à tout le monde. Il te dit, petit, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, il faut changer. Et puis moi-même, il n'était pas en paix avec moi parce qu'à un moment donné, je voulais arrêter, mais je n'arrivais pas, je n'avais pas de force, tu vois. C'était plus fort que moi, tu vois. Et donc moi-même, intérieurement, c'est comme il criait au secours. Et là, il est venu. Paf. Oui, on m'a annoncé l'évangile, on m'a dit, Jésus peut te délivrer, la payer pour tes péchés. Bon, je ne paye pas. On dit, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout ce que tu as fait, il faut dire ces paroles-là. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, viens dans ma vie. C'est ce qu'il a dit depuis le 9 octobre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, 9 octobre 2017. Mais tu as eu succès parce que quand tu vas dans ton ministère, la vase d'honneur, si je ne me trompe pas, il y a des gens même qui viennent s'arrêter uniquement, attendre quand ils sont pour faire photo. Alors que les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu, là, tels que mon frère, lui, on ne fait pas ça. Oh, mon Dieu. Mais la question de quoi? Attends, la question de quoi? La question de quoi, mon Dieu? Mais la question, c'est que, dans le fond, certains constatent, ils disent que tu as des manies de séduire les femmes dans ton comportement. Donc, c'est séducteur, quoi. Ah, on dit tu lapes les lèvres, tu as les manies propres pour séduire les femmes en tant qu'un homme de Dieu. Mais on les prend en forme des gens aussi. Il y a la partie là aussi. Il est très bien. Bon, en fait, non. On lave les lèvres quand les lèvres sont sèches. Tu as vu que tu as des. Non, pas les lèvres comme toi. Les lèvres comme lui en fait. Non, les lèvres comme lui. Tu vois, mes lèvres sèchent vite. D'accord. Et quand c'est comme ça, c'est pas agréable à voir, tu vois. Et vu que. Il y a l'image aussi à conserver. Parce que c'est bon de prendre soin de soi-même. Notre corps est le temple de l'esprit, notre corps est le temple de Dieu. C'est pour ça qu'on se lave, c'est pour ça qu'on doit se sentir bon. C'est pas un péché de prendre soin de soi. Non, tu vois. Là, je vais laisser Défaler finir. Sinon, prendre soin de son corps, là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Mais Défaler, déjà, vas-y. Non, mais prendre soin de son corps, tu peux prendre soin de ton corps, il faut être propre, il faut sentir bon. En attendant, tiens, bluffer, tu n'as pas vu. Alors, maman, j'ai apporté la cravate même de Jérusalem. Non, le but, c'est que souvent aussi, prendre soin de son corps, c'est les orteils qui sont super propres, la peau est très propre. Il y a les soupçons de fond de teint pour un homme, bon, enfin. Non, il y a le fond de teint, quoi. Non, il y en a qui le font, mais comment tu trouves tout ce temps pour prendre soin de toi comme ça? Je me lave, mon vieux. Parce qu'il faut avoir le temps pour tes fidèles, pour Dieu. Mais si toi, tu dois avoir le temps, aller au salon, faire pédicure, manicure, trouver un bon savon, mettre les soupçons de fond de teint, aux lèvres rouges. Ah, man. Bon, enfin. Mais est-ce que... Mais on voit, est-ce que t'es lavé, t'empêches de faire ton ministère? Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se laver, il y a un temps pour faire le ministère. Ou bien... Un temps pour être frais, il y a un temps pour... Oui. Pour être frais. D'accord, Défaré. Mais voilà, il est frais, ça se passe, c'est normal. Ça te fait bon, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Bon, tout va bien, bon, merci. Mais attends, il a donné sa vie à Jésus. Le sang l'a lavé. Il est propre. Ouais. Pas le problème. Donc, chaque 2 jours, tu rentres au salon pour faire un shampoing peut-être. Non, même pas. Hein. Ah. Bon, en vrai, même, moi, j'ai un garçon. Tu vois, les garçons, nous, on... C'est pas trop... C'est comme moi, depuis, laisser le coupé décalé monter et sortir. Non, ouais, c'est vrai, ton frère te sortit tout ça. D'accord. Non, et oui, c'est vrai, ça, c'est une réalité, mon vieux. En fait, le péché rend vilain. Oui, ça t'est sale. Oui, en vrai, même. En vrai. Le péché rend vilain parce que tu fais les vilaines choses. Tu es toujours en train de fumer, tu vois, non. Non, ça noircit les mouvements, tes poumons, même ça. T'es... Il y a les drogués, comment ils sont, tu vois. Ça c'est une langue humaine. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas pécher. Sinon, ça va passer, Jean, lui, ça lui fait quelque chose. Mais attends, quand tu étais drogué avant, tu étais sale. Oui. Si elle te montre ma photo d'avant. Ouais. Attends, après l'émission, elle te montre.
Bon, on est là, on va demander. Non, mais qu'est-ce, comment les jeunes de ta génération prennent le fait que tu puisses comme ça, tout d'un coup, ton revirement, ceux avec qui tu marchais, tu étais dans le mouvement avec eux, tout ça, comment ils ont reçu ça en fait? Tu vois, non, c'est ça. Au départ, on ne comprend pas. Moi, j'étais avec un groupe, mon groupe 2D5 Boy, j'étais avec mes gars, j'étais le leader du groupe. Quand je me suis converti, je lui ai envoyé un message pour dire, les gars, bon, moi, j'arrête la musique. Parce que moi, le plus important pour moi, c'était comment me réconcilier avec Dieu. Mais il savait qu'il avait perdu assez de temps dans les vices, tu vois. Donc, je ressourçais mon esprit. Donc, je leur ai demandé de continuer sans moi. Ils sont venus me voir, ah, mais mon gars, mais c'est comment? Comment t'as quitté le groupe? Donc, ton talent, c'est fini, quoi. Il a dit, bon, à la limite, tu dois chanter. Il a chanté, truc quoi, il a chanté pour Dieu. Il dit, non, donc tu as laissé les dégâts, mon père, c'est des Galiléens. Et ça vient chanter des Galiléens. En fait, c'était ça le projet, mais tu vois, Dieu est fidèle. Tu vois, Dieu est fidèle. Moi, je ne pensais pas que j'allais chanter comme ça. Moi, je me suis dit que j'allais chanter comme tout le monde. Il m'a dit, fils, tu n'es pas tout le monde, tu ne vas pas chanter comme tout le monde. Tu as ta particularité. La Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Toi, tu ne sais pas chanter comme ça. Tu chantes comme tu sais chanter. Tu fais ce que tu sais faire pour ma gloire. Voilà, c'est comme ça que ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et c'est un bon résultat. Par la grâce de Dieu. Pour le moment, tu gagnes bien ta vie dans cette histoire de chanter pour Dieu. Là. Ouais. Tu es caché, ça à partir de combien comme ça? Mais toi, tu ne fais pas de spectacle. Non, moi, il ne m'occupe pas du volet caché. Ça, c'est les managers qui... Moi, quand j'ai fini mes trucs, ma commission, me fait ma commission. C'est quand tu es longtemps, tu prends. Parce que en temps normal, quelqu'un qui chante pour Dieu, il ne doit pas avoir des rapports pour ça et l'argent, il suppose. Pourquoi? Tu chantes pour Dieu. C'est Dieu qui donne la richesse, non? Donc. Non, Dieu, là, il ouvre le ciel et puis il lance l'an, là, quoi. Ça quitte aussi. Non, pas que ça quitte. Tu vois, mon vieux, merci d'avoir abordé cette question, mon vieux. Tu vois cette mentalité-là. Tu sais que. Non, il vous dit, en vrai, c'est le diable qui se cache derrière ça. Si. Ça fait que les gens, quand ils veulent servir Dieu, ils se disent qu'ils doivent forcément mendier. Non, c'est un travail que je fais. Je chante au même titre que tout le monde. Quand tu les invites, tu leur donnes leur cachet. Ça fait qu'ils peuvent payer leur maison, ils ne vont pas venir mendier. Maintenant, moi, quand il vient chanter, tu ne me donnes rien. Bon, maintenant, il fait comment pour vivre? Lui, quand il va venir chanter, là, lui va te faire du bien à ton âme. Et tu seras béni quand lui va chanter. Mais quand lui fait du bien à l'âme et puis il est béni, là, Dieu fait des miracles pour lui. Mais les miracles, ça n'empêche pas le fait que tu donnes. Oui, c'est tout ça. C'est un geste, quoi. Le geste, là, c'est miracle, là, qui est là. Miracle, c'est quoi? Ils vont venir te donner. On peut dire que l'ouvrier mérite son salaire. Bien sûr, c'est dans la Bible aussi. La Bible dit maintenant que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais pourquoi quand on parle d'argent, tu es tendu comme ça? Qui est tendu? Non, l'homme qui est là-bas. Mais moi, je travaille. Moi, c'est pas un mendiant. Mais lui aussi, ça le choque. Oui. Parce que, oui, c'est vrai, mon vieux. C'est vrai, c'est une mentalité qui fait qu'il y a beaucoup qui servaient Dieu. Il y a beaucoup qui étaient appelés à chanter pour la gloire de Dieu. Mais à cause de cette réalité-là, ils sont allés dans le monde. Ouais. Dans l'autre monde. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. À vivre, à suivre à le monde. Et généralement, c'est cette pensée-là qui fait que... On n'avance pas dans le gospel. On se dit que c'est pour Dieu. Bon, oui, c'est pour Dieu. Justement, comme c'est pour Dieu, là, tu dois plus encourager parce que c'est pour une bonne cause. Voilà. Mais on te dit que c'est pour Dieu, donc tu as arrêté. Donc, comme c'est pour Dieu, la maison, tu ne payes pas. Et par la culture, tu dois chanter là, c'est cadeau. Studio là, tu ne payes pas. Tout ça là. Quand c'est pour Dieu même, on doit faire trois fois plus même que. Pour avoir les bénédictions. Pour les autres. Les prières. C'est comme ça en fait. Voilà. En tout cas, mon vieux, on est dedans. Et on ne laissera pas. Mais depuis que tu es dans le milieu, tu côtoies des hommes de Dieu, tout et tout, tu as constaté qu'il y a des mauvais pasteurs dans votre monde là. Mauvais pasteur, c'est pas dedans où il va être mauvais. Tu vois, non. En public là, tu sais que tout le monde se donne un genre. Comme je disais au début de l'émission, on ne peut pas savoir qui est qui. Tu vois, non. Mais au moins, quand on voit les fruits, la Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand on voit les fruits, on peut discerner si c'est une bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu as vu quelques mauvais fruits quand même? Tu as vu un mauvais pasteur? Pas vraiment. Non, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire sont bons. Il n'y a pas croisé tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, mon vieux. Il a croisé le révérend Zahui, qui est mon grand frère à moi. C'est une très bonne personne. J'ai croisé. Bon. Je suis le fils spirituel du pasteur Mohamed Sanogo. J'ai croisé le pasteur Idriss, Kone Idriss, qui est un père pour moi. J'ai croisé le pasteur du Temple de la Foi, le père Raoul Wafo, qui est un père. Mais les gars comme les Gédéon, Makoso, là, eux là, tu les croises pas souvent? J'ai croisé le général Makoso, oui. C'est une bonne personne. Mais, oui. Mais concernant le pasteur Fija, oui. À ton conseil, l'autre conseil, il a fait un travail digne d'un boucantier et digne d'un jet-setter. Digne de quelque chose que nous, on était avant, dès qu'on a laissé venir à Christ.
Donc, quand il vient comme ça, on dit, ah, on dirait que le coupé décalé est rentré dans le milieu chrétien. Oui. Tu as vu, non, ouais, ça, c'est pas moi, mais Dex, c'est quoi, on m'appelle, hein. On dit, ah, défalé, tu as quitté pour aller contaminer les gens, l'autre côté là-bas encore. Tu vois un peu, non? Bon, ça, c'est ce que les gens disent. Moi, personnellement, je te dis sérieux, moi, je suis très fier. Voilà. Oui. Moi-même, là, si j'étais venu, pour, comme j'étais en voyage, si on s'avait débarqué là-bas, là, peut-être tout mon pied, qu'est-ce que moi, il y a deux pieds qui quittent là. Mais là, tu peux faire ça. Mais là, tu peux faire. Non, là, il n'y a pas les conditions pour ça. Voilà, ça. Il n'y a pas les conditions. Ça, c'est un truc. Ça, pour Jésus, non. Il est pas allé, tout le monde mettait sa bien là. Eh, mon Dieu! Pardon, pardon. Non, tu disais tout à l'heure que tu as croisé Makosso et Gédéon, lui tu l'as pas croisé par exemple. Non, lui il n'a pas croisé. Mais la toile s'affolait quand il a fait le travail, moi. Bon, ça tu as encaissé un peu. Moi j'ai fait un message. Hein. J'ai fait un message, j'ai rédigé un message pour expliquer aux gens que. Mais c'est quoi on appelait travail moi-même, que c'est pour le monde même. Mon vieux, il a te dit un truc que les gens n'ont pas compris. En vrai, là, tout ce qui est bon sur la terre, là, c'est pour les enfants de Dieu. Notre seul interdit, c'est le péché. Parce que le péché détruit, c'est tout. Sinon, le reste, l'argent. Même femme, c'est Dieu qui a créé femme à côté de l'homme. Ce n'est pas Satan qui a envoyé rapport sexuel. Non, si le gars qui dans un braquage comme ça, il vient dans un consort et puis il jette l'un des braquages là sur toi, c'est une bonne chose. Ah, il n'a pas dit que c'est une bonne chose, il n'a pas dit que c'est mauvais. Tu m'as donné ton argent, c'est pas où tu as enlevé ton argent. Est-ce que je suis coupable de... Je ne suis pas responsable de ça. Mais il y en a aussi souvent, il y a des conseils de certaines personnes qu'on ne va pas donner le nom. Ceux qui venaient jeter l'argent là, mais sans même que c'était l'argent volé, sans venir jeter. Tu dis en sang, mais tu l'as vu. Ah, mon cher. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Non, comme toi, tu dis que bon, enfin. Non, mon vieux, en vrai, qu'est-ce qui est mauvais dans le fait de venir donner l'argent? Mais c'est en public, on fait ça. Anniversaire des gens, on vient, nos frères là, on vient Maria. Devant les gens. Ah! Mais la dette, c'est quand ils venaient jeter l'un là, c'était l'un de Ken, c'était pas l'un de... qu'ils ont travaillé pour avoir. Ah, c'est ça, mon Dieu. Chacun. Mais toi, tu es un bois de nous, on venait payer boisson là-bas, tu prends l'argent, tu as cassé, non? Ah, voilà. C'est pas un... voilà. Moi, je ne sonne pas pour Dieu pour le moment d'abord. Moi, c'est un gars, non, là, on n'était pas de représailles. On n'était pas de représailles. On t'a dévoilé. Je te dis, mais quand elle dit, essaie de nous dire, est-ce qu'il y a une musique qui est faite spécialement pour chanter Dieu? Ou on peut chanter Dieu dans toutes sortes de musiques? Jean, si tu veux parler de style musical? Style musical. Genre le rap, R&B. Rap ou zouglou ou reggae. Parce qu'il y en a en fait, quand ils veulent chanter Dieu, ils choisissent carrément genre gospel. Le slow. Tu vois, un truc de ce genre. Tu vois, de la même manière qu'eux, ils choisissent le slow. Pour faire la gloire de Dieu. Celui qui se sent à l'aise dans le reggae, choisit le reggae. Pour faire passer son message. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur et que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais les chants là, ils ont un style à part, comme des fallait. Quand tu chantes Jemila, tu chantes Victoire. Ouais. Tu as un genre de musique que tu choisis pour faire passer ton message de Dieu, n'est-ce pas? Moi, c'est afro-gospel, tu vois. C'est une musique, c'est un beat, c'est afro-beat. Moi, je suis plus afro-beat, tu vois. D'accord. Afro-beat, c'est pas loin du coupé décalé. Parce que les bases même du coupé décalé, c'est de l'afro-beat. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, on peut s'élever en zouglou, chanter Dieu, mais on peut s'élever en réalité. Moi, je demande, je connais pas en fait. On te dit. Il y a des chats crémés, par exemple. Tout. Il fait du zouglou gospel. Tu peux tout. Tout ce que tu sais faire de tes 10 doigts, là. Tu peux le faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tout. Mais toi, c'est rock, tu sais, tu peux faire pour la gloire de Dieu. C'est pas parole qu'on entend. Le même verset, il y a des versets qui... Bon, je prends un exemple. L'éternel est bon. L'éternel est bon, là. Tu peux chanter, l'éternel est bon. Tu peux chanter, l'éternel est bon. Ouais. L'éternel est bon. Ou bien, ça passe bien. L'éternel est bon. Ça dépend, ça donne au feeling, tu fais. C'est même éternel est bon là. Ah, ça, dans les chanteurs de rock là aussi, ils sont en collaboration avec le Satan. Hein. Qui t'a dit? Tu sais que rock là, vraiment. Quand tu regardes là. Un peu de bruit, payez avec bruit. Ou même payez, hein, ils portent des têtes de mort. Mais ça, ils ont déformé le way. Ils ont déformé. Mais toi, tu portes pas tête de mort? Non, ils ne portent pas. C'est tête. Pas bon, pourquoi? Moi, ils ne portent pas ça, ça me dit rien. Ça ne lui plaît pas, c'est bon. Il y a des choses, on ne fait pas. Je ne vais pas mettre la mort sur moi aussi. Tu vois, alors que les rockers, c'est les feelings. Mais ça, c'est eux, les rockers. Voilà. Mais moi, étant enfant de Dieu, je n'ai pas mettre tête de mort dans mon mouvement. Pourquoi je mettre tête de mort? Tout homme de Dieu, même les rockers, c'est les enfants de Dieu. Bah oui. Bon, tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Bon. Dans un autre débat, mon vieux, on part rentrer dedans. Voilà. C'est qui est sûr. Chacun a fait son mouvement pour faire de Dieu. En ce moment, c'est qui ta petite amie? Il n'y a pas de petite amie. Bah, enfin, peut-être qu'on ne se comprend pas. En ce moment, c'est qui ta go? C'est qui ma go? Comment il n'y a pas de petite amie? Il n'a pas de go. Tu es marié alors? Je ne suis pas marié. Donc, toi, tu es là comme ça à personne dans ta vie. Ah, man.
Ah, man. Hey, Mathieu. Non, mais... Oui, il n'y a personne. Oui, je... Le gars, là, même souvent, quand il vient d'ici, même, on a demandé à Claire, ben, ici, tu as des enfants. Elle arrive, de toute façon, tu ris là jusqu'à on est passé là-dessus. Va défaler, on va passer là-dessus encore. Vas-y. Non, mon vieux, et puis même là, même, le fait que tu me poses la question, même, c'est bien. Parce que, en fait, il y a un truc qu'il faut savoir. Il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Tu vois, non, mon vieux. Il n'y a pas que quoi? Il n'y a pas que ça dans la vie. Elle fait des goûts, là. Donc, tu es marié alors? Attends, c'est une priorité, parce c'est important dans la vie d'un homme. On va me poser la question comme si. C'est-à-dire que. C'est une stabilité. Oui. Mais chaque chose en son temps. Est-ce qu'il n'y a pas de mariage un jour? Il y a un mariage un jour, forcément. Donc, toi, en ce moment-là où tu es là, quand tu as envie de faire l'amour, là, tu fais comment? Quand il y a envie, comment? Quand j'avais envie. Ah, des fois, il les prend ton gars, mais il sait pas. Bon, peut-être. Non, on est des hommes. Voilà. Voilà. Donc, souvent, il y a des envies. Donc, tu as des aventures à côté. Pourquoi? Il n'y a pas d'aventure. Il y a des envies, vraiment, parce qu'on est des hommes, on est des hommes. Donc, tu surmontes ça comment, là? Oui, je surmonte. Comment tu surmontes? Faut nous dire, parce que nous aussi, on a des gars aussi qui n'ont pas de goût. De toute façon, toi, tu surmontes là. Faut nous dire, on va leur dire aussi, quand ils ont des envies. Ah, c'est pas les mêmes envies là, en tout cas. Toi, tes envies là, c'est quoi? Souvent, il y a envie que quelqu'un soit là, avec moi. Donc, toi, c'est envie, présence physique, pas envie sexuelle. Aïe, bon, pour que la personne soit avec moi, on va faire quoi? Non, lâche-toi. Si tu as envie de faire l'amour, comment tu fais? Puisqu'il n'y a personne. C'est ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a personne. Oui. Tu n'as pas de go, tu n'as pas de copine, tu n'es pas marié. Oui. Tu es seul, non? Oui. Donc, quand tu as envie, là, tu fais comment? Quand il y a envie, il fait comment? Envie de faire l'amour, tu fais comment? C'est ça, il dit là. On n'a pas les mêmes envies. Les envies dont tu parles là. Yes, moi, il n'est pas ça aussi. Mmh. Oui. Ouais, son corps fait. Mais vois où tu veux en venir. Ouais. Mais c'est une question normale. Il n'est pas ça aussi. Et de là où lui vient, là, ouais. Il n'est pas prêt à venir. C'est quel problème, tu sais. Il y a quelqu'un qui a appelé la dernière fois, une radio, là, il a appelé, il dit que 4 ans de chasteté, c'est vraiment énorme. Lui, il ne peut pas faire 2 jours. Tu vois. Justement, parce qu'on n'a pas les mêmes envies. Il te dit, moi, avant ma conversion, je ne pourrais pas faire 2 jours comme celui qui a appelé là. Ouais. Depuis que je me suis converti, je suis stable. S'il n'y a pas de mouvement, je suis tranquille. Mais j'attends. Et quand je dis que souvent j'ai envie que quelqu'un soit là, c'est parce que je veux que, voilà, j'ai besoin d'une femme. Mm-hmm. Tu vois, je sens que je suis rentré dans la période où il doit y avoir quelqu'un à côté. Ou le corps demande. Ok, mais là, c'est trop distrait, mon vieux. Mais d'abord, il fait 2 ans de chasteté. Ah, ça, on va douter. C'est ça, de lui, vient là, on va douter. Il est fait. Mais mon vieux, pourquoi ça vous étonne? Il y a des gens de besoin, ils n'ont jamais fait ça. Ils ont puceaux encore. Non, il y en a là, ils n'ont pas l'argent. Hein? Ils ne peuvent pas avoir femme. Et puis, ils ne sont pas jolis. Il y a des cas comme ça. Laissez ça. Alors, Kays, dis-nous ton album. Combien de titres? 21 titres en tout. 21 titres? Ouais. Waouh. Champion, tu es prêt? Ah, c'est l'inspiration divine, non? 21 titres! Waouh! Ah, c'est fort! 21 titres! Ouais. Bah, je connais Aloko, j'ai écouté Aloko. Très bon titre! Merci, mon Dieu. J'ai écouté. Avoir allumé la lumière qu'on connaît tous. Mm-hmm. Et tu as aussi un autre de tes titres qui était pas mal dans le temps, que j'avais même partagé sur ma page Facebook. Bon, il y a aussi un truc. J'ai vu des jeunes comme toi qui ont sorti des sons. Bon, qui je sens qu'ils sont dans la même lignée que toi. Il y a un type par exemple qui parle de son sang m'a rendu sourd. Ouais, ouais, c'est moi, c'est la famille. Ah, voilà, j'ai partagé même ce titre-là. Ouais, il y a combien de temps. Et après, j'ai vu aussi un autre qui a sorti Décalé Céleste. J'ai fait waouh. J'ai pris la vidéo, j'ai mis sur mon compte Facebook. J'ai ouais, mis, ça, c'est les gars. J'ai mis, voilà, j'ai mis la génération attendue a commencé à s'élever. Ouais. Je vous ai dit qu'ils y arrivaient, ils sont en train de venir. Et j'ai apprécié le Décalé Céleste aussi. Beaucoup de mes amis ont partagé. Ils ont vu, ah, mais fallait, maintenant il y a des jeunes qui font décaler, c'est légitime, mais c'est bien. Ça prouve que le message est passé, quoi. Voilà. Non, mais ça fait plaisir et je pense que tes 21 titres d'album est disponible où, partout? Ouais, partout, sur YouTube. En tout cas, surtout sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Ok. Parce que bon, là-bas, c'est gratuit. Hein. Les autres plateformes de téléchargement, bon, c'est pas tout le monde qui a accès aux plateformes ou bien qui a téléchargé. Mais les 21 titres, là, il y a des featuring? Ouais, il y a
seulement que deux feats. Sinon, tout le reste, c'est toi-même tu chantes. Il y avait beaucoup à dire. Ouais, j'avais beaucoup à dire. Parce que tu viens de loin. Voilà. Mais tu as des bons rapports avec les autres chanteurs dans votre milieu. Oui, c'est la famille, non? C'est la famille. Chez vous, là-bas, la pâte clash comme coupé décalé. Ah, ça dépend, mon vieux. Ça dépend. Mais il a vu son conseil non clashé. Ils ont les feelings. Pardon? Il y a des gars, ils ont les feelings. Oui. Ah ouais? Oui. Après, ça, il a vu son conseil avec la clashé. Mais il dit les vrais même. Là. Il n'y a pas de clash. Nous, on est enfant de Dieu, on fait quelque clash. Il n'y a pas de clash. En fait, c'est où il y a concurrence qu'il y a clash. Voilà. Il n'y a pas de concurrence. On ne chante pas pour notre gloire, on chante pour la gloire de Dieu. Donc, tu vas me faire concurrence et mon pouvoir. Non, vous êtes les artistes les plus soudés. Les... Vous qui chantez Dieu, là. Bon, on va pas dire, on va pas dire qu'on est les plus soudés parce que bon. Soudés, c'est tout dit. Ça c'est pas très prétentieux, tu vois. Mm-hmm. En tout cas, il n'y a pas de clash. Voilà, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir des clashs, en fait. Parce que c'est pas pour ta gloire. Non. Donc tu fais parler de quoi? C'est quand tu dis c'est moi. Voilà. Tu dis c'est lui, là. Mm-hmm. Là, c'est lui, moi, on fait parler de main. Ouais. Sinon, donc, il n'y a même pas de jalousie dans le milieu. Bon, mon vieux. Oui. Comme il dit là, on est des humains. Bien ça sûr. Peut arriver oui. Qu'il y ait une jalousie. Mais après. Ça se contrôle. Ouais. Tu vois, il ne faut pas laisser la jalousie prendre le dessus. Parce que c'est, ça serait vraiment hypocrite ou bien malhonnête de dire que souvent tu n'as pas envie de rester premier ou bien d'être toujours premier. Non. Voilà, ouais, mais ça, il faut le, ces désirs-là, tu les surmontes à l'appui de la parole de Dieu qui dit ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est cette parole-là qui, moi, m'aide à rester. Dans un esprit d'équipe et non de rivalité. Toi, t'as dû de faire des dons? Oui. Mmh. Où tu les fais? Toujours. Quand je sors. Tu qui ce soir, tu croises, tu fais les dons? Oui. Surtout les petits qui suivent les vitres des voitures là. Ils vont me tuer. Ils te reconnaissent en plus. Ça, quand ils me reconnaissent, c'est moi-même. Mmh. Il peut pas passer. Mais tes anciens gars décalés là, tu passes pas les voir souvent si. Pour les faire les petits dons qui sont toujours dans les bancs. Si, bon, pas vraiment de dons. Hein. Je ne vais pas dire que je passe les voix pour les dons. Je passe pour qu'on parle. Parce que moi, ma priorité, ce n'est pas qu'ils sont en manque de quelque chose. Ce n'est pas des centres d'abri ou bien des trucs. D'accord. Mais c'est juste qu'ils ont besoin d'une prise de conscience. Quoi. Bien sûr, oui. Tu vois, non. Donc moi, mon fardeau, c'est plus qu'ils changent pour qu'aussi leur vie puisse être, voire puisse impacter. Parce que mon vieux, c'est maintenant on me voit en 2021, on voit que tout est zo, quand je suis converti. On dit non, mais tout est bien, tu étais comme ça. Moi, quand je suis converti, je suis passé par un oui. Ah ouais? Oui. Moi, j'étais laveur de voiture. On avait ça la d'accord. De l'homme de j'étais laveur de voiture. J'étais agent commercial. Ouais. Les gens qui attrapent panier pour vendre savon et tout parfum. Là. Ouais. Moi, j'ai fait ça pendant près d'un an. Ouais. Tu vois un peu? Tu viens de loin. Voilà. Donc, avant tout ça, là, il y a eu un désert. Il y a un parcours. C'est comme désert. Ça. Et aujourd'hui, voilà. Là où tu es, en tout cas, on prie pour toi pour ne pas rechuter. Ça va passer. Il ne faudrait pas que le succès te montre la tête et que tu t'oublies. Jamais c'est passé au nom de Jésus. On est déjà. Mais... Tu vois. Donc, voilà. Déjà, même après son conseil, on va dire qu'il faut dire ce qui est. Quand c'est une grosse révélation, en moins de combien de temps, près de 8 personnes au palais de la culture, vraiment, il est inscrit parmi les records. Ça ne se discute pas, tu vois. Mais derrière ça, je vois qu'il n'a pas pris la grosse tête. À la différence de... Non, vas-y, dis-le. Faut pas avoir peur des mots. On a vu des gens ici. Hein. Tel que. En moins de combien de temps, là, ils auraient pu faire la culture. Même quand ils les voient, nous-mêmes, les grands frères, ils voient même, ils nous dépassent même. C'est, ils sont déjà arrivés, c'est fini. Oh. Donc, je pense que dans ce sens-là, et ça a encouragé. Moi, je l'encourage en tout cas. Mais étant ancien laveur de voiture, tu étais comme ça, tu étais dans un supermarché, tu attrapais panier. Non, je n'étais pas dans un supermarché, mon vieux, il n'y a pas dit ça. C'est que j'ai mal saisi. J'étais laveur. Genre, ils me promenaient pour vendre les savons. Tout, tout. Déposer le panier devant les gens, il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves dans une Kia modèle récent, intérieur cuir, frayant. C'est quelle sensation tu ressens? Quand tu es assis comme ça, boîte auto, tu es là. Et béni Dieu. C'est pour dire que mon Dieu, le Dieu auquel j'ai cru est fidèle. Parce qu'il était dans ça là. Mm-hmm. Il ne pensait pas qu'il allait arriver à ce niveau. Mais... Tu vois, non? Donc c'est une fierté. C'est dit, ouais, Seigneur, tu as promis. Tu l'as fait. Tu as fait. Et il a fait pour Dieu, Dieu a fait pour lui. Ouais. Vois, donc, et puis non, mon vieux, tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui là. Ce n'est pas forcément pour moi-même. Hein. C'est le Seigneur en train de montrer à un jeune que si tu t'abandonnes à moi, tu vas atteindre ce niveau-là. Et même plus que ça.
Non, moi je me dis que chacun a son destin. Sinon, il y a beaucoup de jeunes comme toi qui donnent leur vie à Dieu, à Jésus. Bon, et puis ils sont là. Hein. Mais comme chacun a son destin qui est déjà écrit plus ou moins, après c'est ma vision. Voilà un peu sûr, non? On a dit, il a donné. Mais est-ce que c'est pas laissé par terre? Il y a ça aussi dedans. Parce qu'il y a la manière de donner aussi. Quand tu donnes là, tu donnes pas à l'homme, hein. Tu donnes à Dieu. Mm-hmm. Donc celui à qui tu as donné là, s'il a vraiment pris, mm-hmm. il va te redonner. C'est clair. Ce que toi tu as besoin. Ça ne ment pas. Maintenant, ce qu'il va te donner, que tu as fait semblant de donner devant les hommes, voilà. Et que devant Dieu, tu as laissé ça par terre, mais tu veux quel résultat? Mais je dis, c'est pas facile. Hein. C'est vrai, on est dans la jeunesse, on donne, moi, il donne les messages toujours. Il dit, mais on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes luttes, tu vois. Moi, je suis toujours à la maison, mais je n'ai pas les mêmes tentations, par exemple, que quelqu'un qui est toujours à l'université, au milieu des camarades de classe, avec les filles, tu vois. Lui, il est à proximité. Donc, lui, comme ça, là, son combat est plus truc. C'est vrai que moi, d'un côté, on peut dire que c'est pesant aussi sur moi, mais je dis, chacun a ses réalités. Donc, quand c'est comme ça, là, on fortifie. On ne condamne pas, on ne dit pas, tu as en enfer, tu es un pécheur. Non, on se fortifie. La Bible dit quoi? En Romains 15, la Bible dit, fortifiez-vous, que celui qui est fort dans la foi soutienne le plus faible. C'est comme ça. Donc, c'est une famille, on s'exhorte pour pouvoir rester en Christ, quoi, tu vois. En tout cas, c'est une bonne famille. Merci. Mais la prêche de Gédéon, là, tu penses que tout est vrai? Lui, il aime Gédéon. Il a des vérités. Ça, on ne peut pas nier parce que c'est appuyé sur la parole. Mais moi, ce que je vois, il fait souvent de mauvaises interprétations. Surtout au niveau de la polygamie. Ah bon? Oui. Mais ce n'est pas bon pour votre communauté parce que lui, c'est un chrétien. Et puis, il vient dire des choses que vous dites que c'est le contraire. Non, ça là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Bon, j'ai dit, chacun est responsable de ses actes. Tu vois, non? Mais quand c'est comme ça... Il n'a pas dit c'est le contraire. Mais quand c'est comme ça, on ne peut pas l'encadrer pour ne pas qu'il reste dans ce qu'il est. Mais non, quand il est leader de son église, tu vas l'encadrer comme ça. Qui va l'encadrer? Il est leader de son église, il est... Qui va l'encadrer? Tu ne peux pas l'encadrer. Quelqu'un qui... Mon vieux... Le père Gédéon qui se met derrière tout le monde, il dit, lui, il attend que quelqu'un vienne lui dire que... Tu vas l'encadrer comment? Tu ne peux pas l'encadrer. Il a son ministère. Maintenant, pour ceux qui... Bon, vous me permettez de donner un message à ceux qui... Peut-être qu'ils disent qu'il a raison, qu'ils pensent qu'il a raison. Déjà, la polygamie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs femmes, non? Bien sûr. Tu vois? Bibliquement, quand tu vois tous ceux qui ont eu beaucoup de femmes, après, ils ont eu des problèmes. Quand tu vois Salomon, après, on dit que ces femmes-là l'ont entraîné à adorer d'autres dieux. Quand tu vois même Jacob, il a eu, je crois, Rachel et truc. C'était toujours des palabres dans la maison, c'est des rivalités. Ouais. Tu vois, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même, tu aurais aimé que ta femme ait plusieurs maris? Non, jamais. Mais c'est enfant des gens aussi, c'est enfant de Dieu aussi. Pourquoi toi, tu veux qu'elle supporte que toi, tu partes coucher avec une autre femme pendant qu'elle a arrêté? Tu vois, il faut te mettre à sa place. Les femmes sont plus sensibles que les garçons. Donc, si toi, garçon qui est dur, tu ne peux pas supporter, c'est elle qui va supporter ça. Tu vois, non. Donc déjà cette mentalité-là, c'est pas bien. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la religion chrétienne, vous, en tant que les hommes de Dieu, est-ce qu'il y a la puissance de Dieu en vous pour réveiller un mort? Parce qu'il y a un pasteur qui voulait réveiller Fé Arafat. Ah oui, c'est vrai, il a où? Mais sans quoi je demande, c'est votre monde. Mais attends, voilà, mon vieux, oui. Mon vieux. La dernière fois, je pense, hier ou avant-hier là, non, la semaine passée, on faisait ce débat-là. D'accord. Il dit, mais le monsieur... Il est venu, il dit, veut réveiller... Fé Arafat. Arafat, Didier. Bon, quand il est mort, nous tous sommes appelés. Moi, il pleurait. Hein. D'accord. Moi, ça va pour les autres, mais en tout cas, moi, ça m'a fait très mal parce qu'il aimait beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Il priait toujours pour lui, mm-hmm. mais il est mort. Oui. Quelqu'un dit, veut venir réveiller le monsieur. Oui. Laissez-le. Ah, ça aussi, c'est une grande frère. Il fallait le laisser, c'est... Ah si, et puis, le truc, c'est qu'il a dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Il n'a pas dit que je viens du prophète. Je suis le prophète, ou même prophète, tant m'a dit. Mm-hmm. Bon, il a juste demandé, laissez-le toucher. Il n'a pas demandé l'argent. S'il a dit, donnez-moi tel montant, on a dit, c'est un escroc. Oui. Il n'a rien demandé, c'est son... lui seul s'est levé. Laissez-le toucher le corps. Puis là, tiens-moi, Arafat, il va être là, il nous dit. Bon, vous ne voulez pas laisser, bon. On dit non, puis il cherchait buzz. Mais finalement, même c'est quand vous ne voulez pas laisser toucher là, que vous avez validé le buzz. Puis jusqu'à présent, il peut se lever pour dire. Tu dis que non, on n'a pas laissé toucher. J'ai voulu ressusciter Arafat, vous avez dit non. Donc toi, si les parents d'Arafat te donnaient la parole, te donnaient le ok que le pasteur l'a arrivé à Arafat, tu aurais dit oui. Bien sûr, bon, moi j'ai perdu mon parent, il est parti, ça me fait mal. Oui. Quelqu'un dit qu'il veut venir. Le ramener. Mon vieux, il y a combien de temps de transport? Et puis même,
C'est, mais il faut le réveiller. Hein. Ah, ouais. Voilà. Mais il faut le réveiller. Tu as touché maintenant le réel problème. Non, mais il faut le réveiller. Oui, pas. Mais tu as le réveiller. Ah, voilà. Ça, si c'est moi, tu as le réveiller, tu as la compagnie. Non, tu as le réveiller. Tu vois, en gros, c'est pour dire qu'on n'avait rien à perdre en vrai. Non, moi, en un mot, je veux dire, parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, il y en a qui parlent beaucoup. Tu vois, souvent, il faut parler moins. Peut-être tu ne peux pas te lever là, moi, comme ça, il y a réveillé. Tu sais pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ne croient pas en ça. Tu sais, Joe. Ah, moi, j'ai pris ça des pincettes. Hein. Il a dit, va réveiller Arafat là. Moi, j'ai pris ça des pincettes. Mais est-ce que vous devez laisser faire quelque... Bon, si elle te dit, laisse-moi te toucher la main, je te donne 10 000. Tu as donné, non? Est-ce que vous voulez donner le corps? Il dit, va toucher le corps, il va aller toucher le corps. Vous voulez pas toucher le corps? Mais qu'est-ce qu'il devait même ces pasteurs-là? Faut qu'il l'invite ici. Moi, je croyais, hein? Moi, je croyais. Moi, du moment où il a dit que c'est le Seigneur qui lui a parlé, moi, je croyais. Voilà, vous voulez pas laisser, c'est que vous avez comploté. Comme les gars là-bas. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce? Alors bon, avec tout ce qui se passe, bon, c'est vrai que tu es chanteur, bon, tu es grand, on va dire gospel, rap, gospel et tout. Comment les fans aujourd'hui, à l'approche des fans, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu n'as pas un peu, tu n'as pas un peu peur que ça puisse te faire, tu sais, la stamania souvent là? Voilà, tu sais, nous on est passé par là, tu vois. Est-ce que, comment tu gères ça? Parce que ça, je sais pourquoi je te dis ça, hein. C'est quelque chose qui est par moment fait que tu t'oublies. C'est vrai, ça m'arrive souvent aussi. Non, mais tu peux pas, tu peux pas me dire que ça n'arrive pas. Tu sais, je te dis, non. Ça arrive que l'orgueil monte, ouais. L'orgueil monte, tout ça. Comment tu gères tout ça? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Tu vois, il y a un truc qui nous a été donné, une arme qui est la parole. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses, c'est ce que la Bible dit. Tu vois, donc quand c'est chaud comme ça là. Et il y a aussi le désert qui fait que. Ça te. Parce que quand tu es trop grand, tu entends une voix qui te dit petit. Tu te rappelles de pas de où tu étais. Ouais. Et puis il y avait une chanson en fait, quand ils vendaient les produits cosmétiques, ils me venaient pour vendre là. Il y avait une chanson. Crème contre matin pour mat de cheveux. Crème contre matin pour mat de cheveux. Donc, quand il commence à trop gros, il entend crème contre matin. Ça te rappelle le son. Ah non. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, le but du désert, en vrai, j'ai compris que c'est pour que tu puisses garder les pieds sur terre quand l'élévation va venir. C'est pour ça que le désert précède Canaan. Tu vois, quand tu rentres à Canaan, c'est pour ça que le Seigneur disait toujours aux gens, rappelez-vous que vous êtes sortis d'Égypte. Rappelez-vous que vous êtes sortis d'Égypte. Pour que tu te rappelles le parcours. Là, quand tu es dans le bon, là, tu sais que, ah, c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas te... Tu as un passage préféré dans la Bible? Pas vraiment. Non, mais tu ne lis pas trop la Bible. Ah! Il y a foule de passages. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Voilà, ça c'est un passage. Ouais, je voulais demander ça à mon gars là, mais comme lui il parle jamais des Bibles là. Il est au travail. Oui, c'est présent. Le jour tu m'invites en tant qu'homme de Dieu sur le plateau là, je vais te montrer la puissance. Ouais, c'est important. Mais en même temps aussi, Kaïs, aujourd'hui c'est vrai. Bon, la jeunesse en Côte d'Ivoire, on voit tous un peu tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de vitesse. On va dire que beaucoup de jeunes sont pressés pour obtenir beaucoup de choses. Et beaucoup tombent beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de choses négatives qui peuvent même par moment gâter leur vie. Bon, aujourd'hui, on constate un jeune comme toi. Tu as commencé très tôt. Parce que quand je te vois déjà, et quand on imagine déjà ton parcours, où tu t'es bas avant, bon, vraiment, je trouve que tu as commencé un peu trop tôt. Tu vois, la bonne heure. Ton âge, je trouve que tu as commencé un peu trop tôt. Et tu t'es ressaisi aussi vite. Ouais. Alors, là, dans Fafa, quel message tu peux porter à cette jeunesse? On aura donné nos vies à Jésus. Tu vois, donner nos vies à Jésus là, c'est comme en fait, toi tu te décharges et c'est lui qui gère. S'il dit faut pas faire, tu fais pas et puis tu attends les retombées. Tu as vu, non? S'il dit, en vrai, la Bible dit quoi? Que peut, c'est dans le livre de Job, la Bible dit que peut faire l'homme pour être agréable à Dieu? Ou qu'est-ce que tu peux faire qui a coupé le cœur de Dieu en griffe dans notre jargon? Quand Dieu dit de ne pas mentir, c'est parce qu'il sait que quand tu as menti là, à force de mentir, demain les gens vont te prendre pour un menteur. Ça va faire que les gens vont te rejeter parce que personne n'aime collaborer avec les menteurs.
ils vont pas te faire confiance. Donc, tu seras rejeté. Quand Dieu dit qu'il faut fuir l'impudicité, c'est parce qu'il sait qu'un jour, tu auras besoin d'une vraie relation. Mais si tu es dans l'impudicité, tu es toujours à gauche, à droite, la vraie personne ne va pas avoir la force de venir s'accrocher à toi. Mais ça, c'est une habitude, c'est une nature. Ça, c'est seul maintenant dans ton mouvement. Tu as vagabondé sexuellement. C'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas faire. Sinon, au ciel, là, il est tranquille. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes heureux si vous mettez mes commandements en pratique. Donc, en vrai, là, on applique les commandements pour être heureux nous-mêmes. La jalousie, ce n'est pas Dieu qui ça fatigue, c'est nous-mêmes qui ça fatigue. Parce que si tu es jaloux de quelqu'un, dès que la personne passe net, ta journée est gâtée, tu es énervé toi seul. Tu te bats toi seul. Donc, tu vois que, bon, en vrai, c'est toi qui ça bolore. Donc, donne ta vie à Jésus, il va guérir ton cœur et puis il va t'aider à marcher dans le droit chemin. Voilà. Si tu es tombé dans la rivalité, tu as allé de frustration en frustration. Moi, je connais des petits qui sont petits comme ça, 16 ans, un truc. Non, mais mon frère, il m'a frustré dans le bar. La dernière fois, il était parti à mon mousseau. Il est venu là pour mon mousseau parce qu'il avait beaucoup d'argent que moi. Donc, moi aussi, là, il est rentré dans le bar. Non, mais moi, beaucoup ont vendu les âmes au diable à cause de ça. Ça, non. Ça, moi, il te confirme ça. Moi, il te confirme ça même. Et même dans le coupé décalé, la frustration a fait que plein ont vendu les âmes au diable. Mais quand tu dis coupé décalé, plein ont vendu les âmes au diable, là, donne-moi des noms. Je parle de mon ancien milieu. Oui, ton ancien milieu, donne-nous des noms. Tu les connais pas. Mais c'est vrai, ce qu'il dit. Mais non, vrai, je ne le connais pas, il faut nous donner des noms. Non, parce que la frustration, c'est qu'il est en train de dire. La frustration, que ici, par exemple, la dernière fois, ici, ils ont pris Mago, l'autre a fait tant de temps. Ça crée beaucoup de problèmes de gens ici. Surtout les jeunes là. Surtout les jeunes pratiques. Ça donne toujours des problèmes, ça crée des frustrations. Mais quand tu dis de donner sa vie à Jésus-Christ pour nous sauver là, est-ce que c'est le même message que tu peux lancer aux jeunes musulmans qui ne donnent pas sa vie à Jésus-Christ, mais qui croient en Jésus-Christ, mais qui ne donnent pas sa vie à Jésus-Christ, qui prie son Dieu à sa manière musulmane? Moi, je dis, moi, je respecte le choix de chacun, je respecte la religion de chacun. Chacun est libre. Moi, j'annonce Jésus parce que c'est Jésus que j'ai expérimenté. Tu vois? Oui. Et je sais comment ça marche avec lui. Oui. Donc, il ne peut pas te donner un autre message que lui. Je ne connais pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais quand c'est le musulman qui est en face de toi, oui, mais donc, mais tu donnes ton expérience. Toi, tu connais Allah. Oui, oui. Moi, c'est Jésus que je connais. Si tu veux toujours être musulman, je respecte. Je t'ai libre. Maintenant, si tu viens vers moi pour dire que, ah, frère, comment ça se passe, vous faites tel, je lui dis, ah, pour moi là, c'est Jésus. Tu vois, donc si tu veux aussi, tu laisses pour venir faire Jésus là. Tu vois, non, ça ne veut pas dire que je suis contre ton choix. Tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ta vie. Tu vois, non. C'est vice versa. Il y a chrétien qui devient musulman, il y a musulman qui devient chrétien. Non, on est dedans. Mais chez vous aussi, il y en a aussi, ils sont tellement un peu radicaux, tels qu'ils ont des messages un peu forts. Tu ne crois pas en Jésus, tu vas partir en enfer. C'est un peu fort. Il faut donner conseil. En plus, là, on parle de sagesse. Tu vois. Moi, je dis, chacun se croit dans la meilleure position. C'est-à-dire, étant un chrétien, c'est clair que tu te dis que tu as la meilleure croyance. Ouais. Étant un musulman, c'est clair que tu te dis que tu as la meilleure croyance. Mais moi, je salue la sagesse de mon père, mon papa biologique, qui était musulman, qui était à mon conseil. Il est musulman, mais il est venu à mon conseil. Si lui, étant musulman, il a accepté que je sois chrétien, que je sois différent. Maintenant, moi, il dit qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a la sagesse, il y a l'amour de Dieu. Pourquoi il a condamné tous ceux qui sont autour? Pourtant, ton père étant musulman, tu n'as pas condamné. Père, non, mon père pas condamné. Bah, tu vois, donc, c'est-à-dire que même si... Il y a cette attitude-là à avoir, de dire non, que c'est nous, on est vraiment... C'est la manière qui n'est pas la bonne. Même si tu penses que tu es dans la vérité, là, c'est pas en venant dire aux gens, tu as l'air enfer, tu ne viens pas, que tu as résolu le problème. Oui, c'est clair. C'est par l'amour que tu as gagné le cœur des gens. Tu portais des boucles d'oreilles dans ton passé avant, là. Moi? Oui, toi. Le tatouage, tout ça là. On veut, on était en guerre. Ouais. Non, on a fait la guerre. Non, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Nous, là, en ce moment, nous allons arriver au terme de notre émission. C'est 40 minutes non-stop. L'album KS. Disponible partout. Ouais, sur YouTube. Allez, YouTube. C'est YouTube, on connaît. Sur voilà, allez, avec les titres et tout ça. Franchement, super. Et là, tu as combien de millions de vues en ce moment sur Allumer la lumière? Sur quoi? Enfant de Dieu. YouTube, oui, Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, déjà avec 17 millions de vues. Waouh! Depuis hier, on a 17 millions de vues. Tu c'est vois fort. Ça? Ah, ah, ouais. L'amour, c'est à 2,7 millions. Ah ouais. Ok. Ouais. Qui a déjà fait ça à côté vue depuis le temps d'Arafat? Il n'y a pas, hein?
Ouais, 17 millions là. 17 millions de vues. Non, 2 millions, mais 17 millions. Non, 17 millions de vues, non. Pour l'instant, non. Je ne pense pas. Wow. Il y a des artistes qui ont fait des vues. Il y a des artistes qui ont... Non, 17 millions. Bon, j'ai pas les chiffres, mais bon, je ne peux pas dire des choses. Mm-hmm. Alors, bien, regarde. Ah, 17 millions de vues. Ah, ouais. Ah, 17. Il y a des artistes qui ont fait ça. 17 millions, oui, dans Coupé Décalé, oui, dans Gospel. Si, 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 il y en a. Même monsieur Miwi Meyers, il a fait 17 millions. Alors, vous laissez vous. C'est son gars, faut laisser ce gars. Il fait 17 millions. Ah, en tout cas, vraiment chapeau. Là, tu habites quelle commune? Je suis à Jules Verne. Je suis la route de Benjerville là. Faut bien indiquer les petites là où on est là-bas. C'est après de ça qu'il dit, il a demandé. Et votre le gars pourra. L'aîné l'a dit, hein, Jules Verne vers Benjerville là. Les filles. La zone est maîtrisée. C'est maîtrisé. Alors, qu'est-ce ton message de paix pour la nation? Donne notre vie à Jésus. Amen. Ta prière pour tous les jeunes, donne notre vie à Jésus. Il n'y a pas de message, c'est le même message. C'est le même message. Ouais, c'est lui qui a nous délivrer de nos voies. Tu vois, non? Et puis la preuve même là, c'est que quoi? Un homme qui lutte même avec ses propres forces, à un moment donné, quand tu lui parles de ces gens, de ce, tu dis que ce n'est pas possible. Parce que naturellement, ce n'est pas possible. Humainement, c'est tu ne peux possible. Pas faire 4 ans de chasteté. Dans cette génération où on est là, ce n'est pas possible. C'est pas, vous ne pouvez pas rêver même. Tu vois? Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a une force spirituelle. Sur la et cette force-là, on la prend quand on donne sa vie à Jésus. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est lui qui te donne cette force. Waouh. Wow. D'accord, c'est bon. C'est bon. Alors, dames et messieurs, nous étions à ce Fafa spécial avec KS Bloom, pétri des talents. Beaucoup de choses à l'avenir se prononcent encore. Il ne va pas arrêter de vous épater, de vous surprendre. Je sais de quoi je parle. Et on a eu un échange tout à l'heure. Nof, il a compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à l'écouter, l'entendre, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Alors, comme il a dit si bien, un jeune, par tes propres forces, tu ne pourras jamais rien faire. Par tes propres forces, tu ne peux pas lutter contre le péché. Celui qui donne la force de lutter le péché, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc c'est le message de KS Bloom dans cette émission. Merci à mon binôme Anaconda pour les questions tout étudiantes et piquantes comme d'habitude. Comme il se fait. Merci à la marraine Mathilda Erika pour le soutien. Merci à l'autorité depuis 13 villes qui aussi nous soutient dans tout ce qu'on fait depuis la mairie de 13 villes. Merci Maurice Camara, la grande famille. Alors, merci à tous. Mesdames et messieurs, c'était KS Bloom. L'album est disponible surtout. Restez couverts et surtout, prenez soin de vous et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vos vies. Jésus. Amen. Amen.